Salut Karmi, c'est Yannick Karmi, et aujourd'hui on se retrouve sur le let's play de Whisper. Oui, je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le jeu, mais vous me connaissez, je ne suis pas connue pour la régularité dans mes let's play. D'ailleurs, je suis même pas réputée pour les finir, mais bon, c'est pas grave, allez, continuons. Je viens de passer à côté du terrain d'entraînement, j'ai encore dû penser au Kaltenbach classique. C'était une putain de journée. Oh, on me rappelle pas, ma grand-mère avant pensait que Whisper ne servait à rien. Ouais, bah, elle était d'autant plus surpris lorsqu'elle vous a vu sauter pour la première fois. Les méthodes d'entraînement bizarres de ton grand-père ont bien marché, même si ma grand-mère veut pas trop y croire. Go faire une petite course d'obstacles tranquillou. J'ai oublié les touches. Ah, voilà, c'est bon. Et hop. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que je pouvais sprinter. Par contre, c'était peut-être pas le... bonne idée de sprinter ici. Je sais pas. En fait, le jeu est sympa, mais au niveau du réalisme, il est pas ouf. Je sais pas, le cheval il fait des gros bonds, il tourne comme une planche de bois, bof. C'est. Ouais. Genre, on n'a pas cet effet. Ouah, c'est stylé, c'est juste bon. J'ai l'impression de conduire une voiture un peu. Ah, il a un nouveau niveau. Où est-ce qu'on s'améliore? Vitesse. Bon, allez, on va miser un peu sur la vitesse. Voilà. Bon, bah, c'est parti pour une autre course d'obstacles. C'est un peu ce que je reproche au jeu, c'est que c'est juste des courses d'obstacles, des courses d'obstacles. En fait, c'est des courses pour faire des courses. Il n'y a même pas vraiment une histoire intéressante derrière. Non, non, c'est juste des courses. Allez, Whisper. Et un petit sprint pour commencer. Oh, c'est magnifique. Oh, un saut dans l'eau et tout. Oh. Oh. Oups. Alors aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a mon PC, mais par moments il rame. C'est peut-être parce que j'ai fait un retour Windows en plein milieu du jeu et qu'il a pas trop kiffé. Ça se peut. Bon, allez, du coup, ça c'est rechargé. Ok. C'était pas une bonne idée de passer à travers tout terrain. Ok, il a carrément eu du mal à charger les vaches. Qu'est-ce qui te prend, PC? Allez, on saute encore au-dessus d'une voiture. Bon, pour le coup, c'est un tracteur. Ce cheval est un sauteur tout-terrain. Allez, Whisper. Bientôt arrivé. Ah, d'accord. Ils auraient pu indiquer qu'il fallait tourner. Ok. Ceci est un saut improbable. Et je l'ai raté, du coup. On va juste faire le tour, comme des gens normaux. Genre, ils ont cru que mon cheval, c'était une moto, quoi. Est-ce que tu pourrais éventuellement la chercher? Archibald, mon poney, est totalement nerveux quand elle n'est pas là. Tu sais à quel point il tient à cette vache. Bon, ok, je vais essayer de la chercher. Bon, bah, allons chercher une vache. Elle n'est pas là-bas, mais elle devrait être quelque part dans ce truc de vache. Ah, elle est là-bas, je la vois. Ah ouais, mon PC, il rame parce qu'il n'arrive pas à charger les vaches parce qu'elles sont pas optimisées. C'est bien dommage, ça. Mais qu'est-ce que... T'es pas Madame Hall? Pourtant, t'as la couleur... Où est-ce qu'elle est, du coup? Vachette! Où est-ce qu'elle pourrait être? Peut-être là-bas? Non, je sais pas, j'en ai aucune idée où est-ce qu'elle pourrait être, cette vache. Y'a pas une vache par ici? Si, si, c'est peut-être elle. Vu qu'elle est un peu à l'écart du troupeau. Oui, on l'a trouvée, c'est parfait. Archibald a décidé de la chercher de lui-même et apparemment il s'est fait mal sur une pâture. Oh, pauvre Archibald. Ton père peut pas lui aider? Il est déjà avec lui, mais il a pas sa trousse vétérinaire avec lui. Est-ce que tu pourrais lui donner sa trousse? Ok, j'y vais. Bon bah, au sauvetage d'Archibald. Bon, j'ai bidouillé un peu les graphismes en mettant tout au minimum, en espérant que là ça va arrêter de ramer, parce que je préfère avoir un jeu de moche qui rame pas qu'un jeu beau qui tourne à 3 FPS, parce que là c'est vraiment pas possible. Bon, j'ai vraiment tout mis au minimum. Et ça, le culot doit encore ramer à ce que je vois. Ok, non mais c'est pas possible ce jeu. Il a un problème avec l'optimisation là, c'est pas possible. Genre, j'ai tout mis au minimum. On se souvient d'ailleurs à l'époque où je vous ai fait les premiers let's play que tout marchait très bien sur le PC. J'ai pas changé de PC entre temps. De une, ça me fout la gerbe parce que bah je vois le jeu de manière très saccadée du coup. De deux, c'est injouable parce qu'il y a une latence entre que j'appuie sur la touche et que l'action se fait. Et surtout, j'ai même pas le temps d'anticiper vu que bah
Je me déplace pas de manière très fluide, quoi. Par pitié, est-ce que c'est bientôt l'arrivée? Parce que j'en ai marre de faire cette course. En fait, j'en ai marre de faire des courses tout court, parce que c'est très ennuyant au niveau du gameplay. Sachant qu'on se bat toujours au même endroit, en plus. Apparemment, Archibald est décédé. Ce poney est mort. Bon, mes petites licornes, je pense qu'on va se laisser sur ce magnifique poney en PLS. C'est déjà la fin de la vidéo, et en toute honnêteté, je crois que ça va aussi être la fin du let's play, parce que je n'ai plus du tout l'envie de jouer à ce jeu. Parce qu'au début, ça me paraissait ultra cool Whisper, mais le problème, c'est que bah, le jeu, il est répétitif. On fait des courses pour faire des courses, il se passe pas grand-chose au niveau de l'histoire. Va apporter un objet à quelqu'un, va chercher un objet, va faire une course, je sais pas. Enfin voilà, ça m'intéresse pas du tout, en fait, la manière dont se déroule ce jeu. Genre faire des courses pour faire des courses, parce que du coup, de toute façon, j'ai rien à raconter. Genre, on va apporter un objet à quelqu'un, wouhou, vive le let's play, quoi. C'est aussi chiant à faire pour moi, parce que du coup, je dois meubler, parce que du coup, j'ai pas grand-chose à dire, mais je pense que c'est tout aussi chiant pour vous à regarder, vu qu'il se passe rien d'intéressant, quoi. Genre, y a pas une histoire, y a même pas de diversité dans la quête, c'est court et saute au-dessus d'un obstacle. Et de temps en temps, faut aller prendre soin de Whisper, et ça aussi, c'est chiant, parce que j'ai l'impression qu'il faut aller prendre soin de lui. Toutes les deux courses, et c'est vraiment très relou parce que c'est pas très fun. De toute façon, on l'a vu aussi, enfin, vous l'avez vu dans la vidéo, que le jeu s'est mis à ramer à mort sur mon PC pour aucune raison, parce que mon PC est un très bon PC, il faisait tourner le jeu sans problème d'ailleurs, il a la configuration maximale requise. Je ne sais pas pourquoi d'un seul coup le jeu il a décidé de saccader au pas possible, parce que du coup ça le rend un petit peu injouable aussi. Parce que du coup, vu que ça saccade à mort comme ça, bah déjà ça me fout la gerbe parce que ça saccade. Et aussi pour faire les courses, bah c'est pas très possible parce que je sais pas quand est-ce qu'il faut que je tourne, parce que soit je tourne trop tôt, soit je tourne trop tard et je visualise mal dans l'espace du coup quoi. Surtout, j'appuie sur tourner et ça tourne 3 frames plus tard, du coup... De base, le jeu, il me paraissait ultra cool parce qu'il était joli graphiquement, ce qui est quand même rare pour des jeux de chevaux. De plus que les jeux de chevaux, ça se fait de plus en plus rare tout court parce que... Je sais pas, c'est pas un marché très rentable apparemment. Mais du coup, ouais, le jeu, de base, il me plaisait bien, il était joli. Bon, à part l'animation de Whisper qui se déplace quand même de manière... peu conventionnel. Ce qui me plaisait bien aussi, c'est qu'on pouvait jouer dans la pâture avec lui, on pouvait lui faire faire des tours, c'était sympa. Mais sinon, le jeu dans sa globalité, non, il me plaît pas. Faire des courses pour faire des courses, non, c'est pas mon délire. Bon, du coup, j'espère que vous comprenez ma décision de ne plus vouloir continuer ce let's play parce que bah, je n'ai plus aucune motivation de jouer à ce jeu. Si cette vidéo vous a plu malgré tout, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Promis, je ferai d'autres vidéos de jeux de chevaux. Gros bisous de prochaines aventures.